Je pense qu'il faudrait améliorer l'accès aux stages pour les jeunes, pour la formation. C'est un des premiers engagements tenus, d'avoir une rencontre avec le plus grand nombre de jeunes possible, avec un format qui les permette de rencontrer aussi les acteurs du monde économique, des acteurs du monde également de l'enseignement, et puis tous les partenaires travaillant sur l'insertion et sur l'emploi. Nous avons écouté surtout ce qu'ils avaient à demander à la ville, aux partenaires économiques, aux partenaires associatifs, au monde de l'éducation. Pour mes études, moi j'ai eu du mal à savoir vers quoi me diriger et je ne savais pas trop où chercher. J'avais besoin qu'on m'ouvre les yeux en fait sur ce qui se passait en dehors de mon école. Et pour les projets, ce serait pareil, ce serait un accompagnement, rencontrer des personnes qui peuvent m'apporter des ressources. Ce que nous pouvons apporter aux jeunes de Bezons, c'est essentiellement des opportunités. Opportunités sur place, dans les communes de Bezons, avec des entreprises de construction, commerçants, artisans, qui exerceront sur la commune. Nous sommes aussi acteurs économiques à l'échelle régionale et nationale. Donc nous sommes déjà dans cette relation qui est de prendre attache avec ces jeunes de Bezons, de les rencontrer, éventuellement de les piloter, de les aider, de leur transmettre les CV à nos partenaires régionaux et nationaux. Démarche besonnaise est très intéressante. Il faut la réimpulser, lui redonner du ressort. J'ai trouvé que c'était une très bonne démarche, que les jeunes ils ont pu être écoutés pour pouvoir prendre ensuite de nouvelles mesures. Il y a eu beaucoup d'avis, beaucoup d'interviews dans beaucoup de lieux, donc je trouvais que c'était une bonne initiation.